Je suis la secrétaire générale de l'association congolaise des femmes juges. Je suis chargée de présenter le plan d'action général 2024-2026 de la DRJ. Je vais vous faire cette présentation en évoquant trois points. Le premier point a concerné le contexte de la justification du plan d'action. Le deuxième point est relatif à la première orientation stratégique de notre plan d'action. Et le troisième point concerne la deuxième orientation stratégique de notre plan d'action. Venons au contexte de l'éducation du plan d'action 2024-2026. Tout est parti du constat qu'on a fait. Mes chers amis, nous avons constaté qu'il y a une disproportionnalité entre hommes et femmes au sein de la magistrature. Sur un effectif de 238 magistrats, on compte seulement 23 femmes, soit un pourcentage de 1,4. Cette disparité est remarquable non seulement dans la magistrature, mais également aux différents postes de responsabilité. Si nous venons à la Cour suprême, par exemple, nous avons un homme qui est président de la Cour suprême et une femme qui est procureur général. Dans les deux chambres, par exemple, il y a une femme qui est présidente de la chambre magistrative et un homme qui est président de la chambre judiciaire. Or, au niveau de la Cour d'appel, aucune femme n'est membre. Et sur les grandes unions qui existent sur toute le territoire national, nous n'avons qu'une seule femme qui est présidente du tribunal de France, à compétence civile. Elle est à Tabougo. Maintenant, dans les 16 parquets qui existent dans les tribunaux, il n'y a que deux femmes qui sont procureurs de la République dans les tribunaux d'instance à compétence civile correspondante de Paris et de GD. Et dans les tribunaux spécialisés, tels que le tribunal du commerce, le tribunal du enfant, le tribunal du travail, il n'y a pas de femmes au poste de responsabilité. Et au niveau des juridictions militaires, on ne peut même pas dire qu'il n'y a pas de femmes au poste de responsabilité, mais c'est qu'il n'y a pas de femmes dans les juridictions militaires. Ensuite, les services auditeurs de justice en formation, au centre de formation des professions de justice. Actuellement, il y a 3 cas sur 28 auditeurs, soit un pourcentage de 10,07%. Donc, face à ce constat, la résolution numéro 215 à 274 du 28 avril 2021 a institué le Marathon Journée internationale des femmes juges. L'année passée, nous avons fêté la journée en différé le 25 mars. Et cette année, nous la verrons aujourd'hui, 11 mars, également en juillet. Cette disparité va porter là, au sein de la magistrature et aux différents postes de responsabilité, à des causes. La première cause, c'est le déficit de visibilité des femmes. Donc, dans la magistrature, nous avons beaucoup de femmes, hautement qualifiées, mais le constat que nous avons fait, c'est nous n'aimons pas nous afficher. Ce qui fait que les filles qui vont embrasser la carrière de pouvoir de figure insurance pour le faire. Nous avons une insuffisance de concertation également entre les femmes magistrats. Il arrive que nous empruntons des droits séparés, nous agissons individuellement et cela n'est pas toujours à notre avantage lorsqu'il s'agit de réclamer certains de nos droits. Il y a une sensibilité insuffisante à propos de la profession de magistrat. Nous ne sensibilisons pas assez les gens, ce qui fait qu'il y a une certaine confusion maintenant de la profession de magistrat et celle d'avocat. Il a dit que les gens aussi comparaissent à notre bureau, c'est que c'est l'aide que c'est. Et ce matin, le juge, madame la présidente. Nous avons alors besoin de sensibiliser les gens pour qu'ils connaissent ce que c'est qu'un magistrat. Notre profession aussi manque d'attractivité. Ce manque d'attractivité fait que les filles en fin de cycle qui peuvent déposer leur dossier pour passer le concours, préfèrent en passer le
La période au cours de laquelle la stratégie sera mise en œuvre.
debout des actions ou des activités à mener, les acteurs responsables de ces activités, les partenaires qui pourront nous accompagner à la mise en œuvre de notre plan d'action. Car ce sont les éléments que Madame Lapour viendra approfondir par rapport à notre programme d'activité 2024. Le coût global de notre plan d'action s'élève à 8 600 000 francs, c'est parti des 3 années que couvrira notre plan d'action. Je vous remercie et je lance un appel à tous les partenaires ici financiers de nous accompagner pour l'atteinte de nos objectifs. Merci.